Merci. Oh là là, c'est trop compliqué. C'est vague un peu, hein. Oui. L'amour, c'est un grand mot. C'est une émotion très forte. Voilà, qu'on essaye, nous, d'entretenir tous les deux, tous les trois, maintenant. Pour moi, l'amour, ouais, c'est quelque chose d'assez simple, finalement. C'est quelque chose que tout le monde est susceptible d'avoir, que tout le monde a peut-être déjà eu, ou du moins, je l'espère. Pour moi, l'amour, c'est la joie. C'est quelque chose qui ne se réfléchit pas. C'est de la chimie, c'est de l'électricité, c'est des sensations débordantes qui viennent de l'intérieur et qui remplissent le corps. C'est quelque chose qui vous pousse devant, qui vous emmène et vous porte. Je dirais que ça tient à une forme de compromis qui fait qu'on accepte l'autre dans ses qualités et ses défauts et que la réciprocité est vraie. Voilà. J'ai lu quelque part que c'était l'élan qui faisait préférer les autres à soi-même. Donc je trouve ça plutôt joli. Ah non, j'en sais rien. Je ne sais même pas ce que c'est. D'accord. Il faut bien que je vous déroute un peu. Oui. Je trouve que c'est fou un peu l'amour parce que c'est le côté... c'est ce qu'on éprouve au détriment de ce qu'on prouve. On peut pas vraiment prouver l'amour, seulement l'éprouver. Je pense aussi que dans l'état actuel des choses, l'amour doit être privilégié par rapport au matériel, enfin, à la recherche de biens, à la recherche d'amour. Ça me semble une quête intéressante. Si, l'amour, qu'est-ce que c'est? C'est de s'aimer les uns les autres, c'est de vivre ensemble, c'est de se supporter, c'est de s'accepter tel que l'on est, et voilà, et puis de vivre en bonne cohabitation, sans animosité, et voilà, c'est tout ça l'amour, quoi. D'abord, des amours, il peut y en avoir plusieurs, hein, c'est pas forcément singulier. L'amour, c'est quelque chose qui va éclairer la vie, donner une couleur de bonheur à tout ce qu'on vit au quotidien, hein, pour maintenant, pour après, pour toujours. Tu n'as pas répondu, toi? Qu'est-ce que c'est l'amour? Tu ne veux pas répondre? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que je crois qu'une journée sans avoir ressenti quelque chose qui ressemble à l'amour est une journée un petit peu triste. Et par les soirs bleus d'été, j'irai par les sentiers, picoter par les blés, fouler l'herbe menue. Rêveur, je sentirai la fraîcheur à mes pieds, je laisserai le vent baigner la tête. Mais je ne parlerai pas, je ne penserai rien. Mais l'amour infini me montera dans l'âme, j'irai loin, loin, bien loin. Comme ce bohémien, heureux par la nature, comme si j'étais avec une femme. Ça, c'est le texte de Rameau. Ça peut un petit peu résumer ce que peut être l'amour. Le mariage, c'est après 13 ans de vie commune, ce que je vais faire avec ma femme dans 2 mois. Félicitations. Merci. Trop d'emmerde. Excusez-moi. Le mariage, c'est malsain, c'est vicieux. Moi, je prône le libertinage. C'est une union. Soit qu'on choisit pas, c'est vrai. Pour moi, c'est un bout de papier. C'est une fête, et puis voilà. C'est un petit prétexte pour prendre une cuite, en fait. Pour moi, je parle de moi. Hein. Là, moi, c'est mariage, c'est sacré, comme je dis. C'est construire une famille, d'avoir aussi une vie heureuse. Ça se marie avec aussi l'amour, hein. Et faire des petits-enfants, et avoir... qui réussissent de la vie, comme ils ont fait nos parents, nos arrière-parents, et ainsi de suite. Alors, le mariage, pour moi, c'est l'union entre deux personnes, et pour soi-disant la vie. Mais c'est très rare que ce soit le cas. Et... ça, c'est réellement, pour moi, je dirais pratiquement inutile. Oui, inutile le mariage. Je dirais même que c'est quelquefois une façon d'emprisonner l'amour qui me déplairait. Ça formalise quelque chose. On se dit on s'aime et puis on le dit à d'autres, on l'officialise, quoi, un truc un peu comme ça. Mais on peut s'aimer sans se marier, oui, je suis d'accord. De nos jours.
Enfin, moi, je vois ça comme ça. Maintenant, le mariage pourrait presque être devenu obsolète. Pourquoi ? Parce qu'on ne vit plus de la même façon, on vit rapidement, les couples se déchirent rapidement. Et voilà, on a des vies en mouvement. Donc l'union ne peut peut-être pas être pour toujours, mais enfin, elle est possible. C'est aussi un engagement vis-à-vis de la société. Pour certaines personnes, c'est certainement aussi une responsabilité et un engagement vis-à-vis d'une transcendance, c'est-à-dire du religieux. Mais surtout pour moi, ce qui fonde le mariage, c'est la liberté. Je pense que vivre en couple de la façon qu'on veut, avec qui on veut, bah c'est peut-être ça la définition, non pas du mariage, mais d'une vie qui peut être épanouie. Le mariage, c'est à la fois une façon de moins payer d'impôts, d'être à deux, et la façon plus métaphysique, c'est vraiment à un moment le fait de marquer et de légitimer par rapport au reste du monde l'amour que j'ai envers une personne ou que la personne a envers moi. C'est de pouvoir le dire aux autres et de que ça se voit. Le fou. Ah, c'est dur ça, cette question. La liste est longue. J'ai fait presque un tour d'Europe à pied. Ouf, il y en a beaucoup. Bah, peut-être que ce qu'on a fait de plus fou, c'est se supporter longtemps, à long terme. Mais plus fou de moi, c'est mes enfants, mes cinq. C'est mes bijoux. Voilà. Depuis quelques années, je crois que le plus fou, c'est d'avoir décidé de fonder une famille. Et je crois qu'on est toujours à un moment, cette petite peur de perdre une partie de liberté lorsqu'on est amoureux, de se perdre, d'appartenir à quelqu'un, comme tu disais. Et je crois qu'à un moment, j'ai cédé à l'envie de fonder une famille et que mon amour que j'avais pour ma femme puisse se transposer maintenant dans un sens plus large, l'amour que j'ai aussi maintenant pour mes enfants. Je pense que ça a été de partir en vélo pendant une semaine pour... Ouais, une semaine de vélo pour parce que j'avais pas de voiture pour aller rejoindre l'autre de l'autre côté. Non, le truc le plus fou, c'est même pas fou, c'est que j'ai emmené mon copain au Futuroscope pour son anniversaire et voilà. C'est déjà ça. Oula, bah, je peux pas vous le raconter, vous allez pas me croire. Bah si. J'ai fait du table dance dans un bar gay. C'est vrai, pour une nana qui était. Qui était serveuse dans un bar sur Sainte. Elle m'a dit t'es pas capable de monter. Et j'ai dansé sur Mika là-dessus. Je vous garantis que c'est vrai. Je vous garantis que c'est vrai. Oui, bah oui, ça a marché, heureusement. Mais j'étais pas fier. Hein. Pourquoi faut être fou pour être amoureux? Je sais pas. J'aurais pas dit fou, mais nous on a fait un enfant déjà. Si tu parles d'une folie. C'est une folie, ouais. C'est très banal, c'est très banal. Oui. Ah ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Moi j'ai connu beaucoup de déceptions dans ma vie. Et je ne sais pas si j'ai encore l'amour dans mon cœur. Je n'ai plus d'amour. Quand je vois une femme, je ne ressens plus rien pour une femme. C'est plutôt impulsif, moi, par amour, ce que je fais. Par exemple, l'autre jour, à la mission locale, je me rappelle, il y a moins de 3 mois, j'ai vu une nana qui me paraissait super belle, la conseillère à la mission locale. Et puis, en plongeant mes yeux dans les siens, je me suis un peu noyé et le lendemain, je lui ai écrit une lettre. J'ai trouvé ça plutôt fou, elle a trouvé ça plutôt fou aussi. C'était impulsif et j'ai regretté depuis 2-3 mois là parce que ça n'a pas lieu d'être. C'est des écarts un peu qu'il n'y a que notre folie qui peut comprendre et elle ne peut pas être partagée. Pas grand chose. On va pas être des amoureuses. C'est ça. Pourquoi? Non, mais il faut rester soi-même aussi, faut pas. Enfin, je sais pas. Ouais. Faut pas. Enfin, on peut faire. Oh, on ouais. peut faire d'autres choses, mais pas faire non plus n'importe quoi juste parce qu'on aime quelqu'un. J'ai le droit de vous le dire. Ah, vous allez être choqués. Eh bien, je suis tombée amoureuse de quelqu'un qui était prêtre il y a 50 ans et on vit ensemble. Donc ça veut dire que j'ai enfreint tout ce qui était bien, tout ce qui était moral. Je ne regrette rien et lui non plus. C'est beau.